Nous sommes des cibales. Nous sommes des sentinelles. Qu'est-ce qu'on fait? On répond à l'appel. On ne peut pas se mettre en mouvement, on ne peut pas se révolter si on n'est pas informé. Donc la première des choses, c'est l'information, la sensibilisation, ce qu'on peut appeler l'éducation citoyenne. Pour le peuple. Et rien que pour le peuple. Le mot d'ordre actuellement, après ta révolte, ton vote. Donc on demande à tout le monde de s'inscrire. Donc c'est dire que nous sommes dans cet état d'esprit. Et on espère justement que nous allons participer à éduquer massivement la population. Ensemble. Lorsqu'il y avait les 30 et 31 octobre, lorsque nous étions en face de ce monde, et quand il y avait du bruit, la seule manière de calmer le peuple, c'était de chanter l'hymne national. On a vécu profondément cette hymne nationale-là comme étant la seule chose qui donnait une âme à tout ce peuple. C'était comme si on était tous drogués, quoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous tirait, mais c'était magique. C'est des choses qu'on ne peut pas raconter et on les vit. De la liberté et du progrès, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais il y a l'hymne national. Mais est-ce qu'on connaît l'hymne du Bénin? Oui, nous sommes des cibales.